Eh bien, salut à tous, c'est Cyril. On se retrouve aujourd'hui, les amis, pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, finale de draft que je tenais vraiment à vous proposer parce que la draft, elle s'est déroulée, mais vraiment parfaitement, quoi. Pas de difficulté, rien du tout, avec des buts de partout, des rage kits. Non, franchement, c'est la draft à vous proposer en vidéo. Donc c'est parti, on se rend avant de voir mon équipe. On va parler un petit peu de mon parcours. 8 à 2 premier match. L'adversaire a joué jusqu'à la fin. 7 à 2 au deuxième match. L'adversaire a joué jusqu'à la fin. Troisième match, victoire 4 à 2. Vraiment facile, parce qu'il a marqué 2 pénalties. L'ensemble n'était pas très bon et il a rage quitté. Donc franchement, cette draft, elle se déroule, mais alors parfaitement bien. Donc on va partir pour cette petite finale. La voici mon équipe. Ouais, une équipe plutôt pas mal. Faut être franc après. Défensivement, c'est pas trop ça. Au cage, Mandanda dans l'axe. On a Schneiderlin. Et oui, obligé de le mettre. Quoique, il est pas si dégueulasse que ça. Parce qu'il a quand même une bonne défense. De bonnes contributions. Donc, j'aime beaucoup. Dragovic, qui est pas mal. Bon, après, voilà quoi. Il a pas trop de collectif. Il a 4. Mais sinon, il est plutôt pas mal. Ça va. Ça passe. À gauche, Schaffer. Il manque vraiment de vitesse pour un latéral. Et même bon, il a un petit style catalyseur. Donc, on peut dire que ça peut aller. À droite, Bellerin dans le terrain. Des joueurs de folie. N'Golo Kanté, mais ce mec, il a 15 poumons. Je joue, je cours. À la fin du match, sa barre d'endurance, elle est quasi pleine. Alors que le mec, il a fait un marathon. Énormissime, j'adore ce joueur. Paul Pogba en milieu de terrain. En plus, ce qui est bien avec Schneiderlin, c'est qu'il a un hyper lien. Même club, même nationalité, plus le travers avec Kanté, et ben la 10 de colle. Voilà, tout simplement. Thiago Alcantara avec 5 étoiles de GCT. On a quand même 3 joueurs à 5 étoiles. On a Ribéry, Pogba et Thiago Alcantara. En point, Tiguen qui est monstrueux. Oh, il a dû marquer peut-être 12 buts, je crois, sur les peut-être 20 buts qu'on a marqués. Je sais pas, j'ai pas le total en tête. Bellerin à droite et à gauche, comme je dis, bah, Frank Ribéry. Donc, c'est parti, les amis. On va partir pour cette finale. Et en ce moment, j'ai vu qu'il y a des super retours sur mes vidéos. Ça fait plaisir parce que, de 1, je prends du plaisir de fou à vous faire des vidéos. Et en plus, comme vous le savez, depuis dimanche, on passe à 2 vidéos par jour. Généralement, c'est posté entre, allez, 15h, 16h et après 18h, 19h à peu près pour la deuxième vidéo. Pour le moment, on n'a pas vraiment le planning vraiment en place, mais ça sera des contrastes du genre, mettons, The Journey, carrière, plus du foot par journée. Voilà. Oh putain, Adji, Okocha, Rashford, Zlatan, Bender, Cabaye, une défense pas top dans l'axe. Quoique William, c'est très bon. Lame, chaud. Hey, il y a vraiment une belle équipe, hein. Adji et Okocha, deux légendes, d'un mieux terrain, deux vrais MDC, deux bons buteurs, des profils, je vais pas dire intéressants, mais pas loin, parce que vitesse combinée à du physique, c'est monstrueux. Hey, les amis, c'est parti pour cette finale. Bon, de toute façon, il faut jouer au football, hein, donc on va prendre notre temps. On va jouer comme d'habitude. Voilà quoi, tout simplement. Toi, tu joues en passe, tu arrives à produire un jeu de qualité. Et après, tu marques. Oh, il manquait plus que le but, et voilà. C'est ce qu'il faut faire sur FIFA, du jeu de football. Bien joué. Voilà. Allez, tranquillement. Voilà. On relance, tranquillement. N'Golo Kanté. Thiago Alcantara. Bellerin, on s'approche du but. Voilà, petit jeu en passe. Tranquillou, Higuain. Ouais, il va craquer son gardien, il va craquer. Bon, mes amis, c'est la mi-temps. On a un peu plus, on va dire, le ballon. On crée du beau petit jeu. On a des occasions, mais bon, à chaque fois, on se heurte soit un tacle d'un défenseur sur une frappe, soit un gardien qui fait pour le moment un bon début de match. On peut dire qu'on domine quand même, mais bon, c'est loin d'être fini sur FIFA. À un compte, ça peut aller très vite. Donc attention à la seconde période. Allez, on va faire un petit changement parce que je sens que derrière, on va craquer Dragovic. On va faire rentrer Manola. Ça, et on va faire rentrer Kingsley Coman à la place de Franck Ribéry. Et comme d'habitude, mon petit Mario Götze. Ça, c'est la petite touche Cyril, on va dire. Anticiper ça de la part de Kanté. Attention, il y a un faute. Espace devant lui. Allez, Gwen. Oh, à chaque fois, il y a un gardien. En plus, il y avait faute, il aurait pu revenir à la faute. Attention, ça peut être dangereux. Faut pas qu'il centre. Ah, ça, j'aime pas trop les mecs qui centrent. Mais alors, oh merde, pourquoi je vais chercher. Mais j'ai pas vu mes changements en fait.
Bah là, on est toujours pas sorti ou quoi? J'ai quand même fait des changements, je crois, hein, Ça depuis tout doit à être l'heure. là. Alors, soit ils ont Ah, pas été ça, j'aime validés, bien. soit il y a eu un bug du jeu, Allez, attention, je vais ou je sur un sais coup pas de jeu quoi. adverse. Et la voilà, la Mais ça frappe. m'énerve! Tout en contré, putain! Oh oui! Magnifique ça! Bien joué, Alcantara! Voilà! J'en avais un peu marre, mais à chaque fois que je frappais, c'était contré. Un tacle, un tacle, un tacle, un tacle. Et là, le ballon revient dans les pieds de Thiago Alcantara. C'est bien joué parce que la frappe de Pogba, elle partait super bien. Et là, Alcantara, il se prend pas la tête. Magnifique! Avec même pas de rebond avant. Bien joué. Ça, c'est un beau petit but. Ben voilà, les amis, cette draft, on va pas dire que c'était la draft, que c'est de l'eau, mais pas loin, parce que ce fut quand même un match assez facile. Quand tu arrives à poser ton jeu sur FIFA, c'est un conseil que je vous donne. Je suis loin d'être Bruce Grenek, hein. Lui c'est là, moi je suis peut-être en dessous, mais vraiment en dessous. Mais le conseil que je peux vous donner, c'est plus vous avez le ballon, moins l'adversaire l'a. Donc là, d'un point de vue, c'est logique. Mais si l'adversaire l'a moins que vous, bah, généralement il peut se créer moins d'occasions. Donc c'est ce que je peux vous conseiller sur FIFA, c'est vraiment d'avoir un jeu de passe, de création, parce que créer du football, faire des passes, c'est toujours plus lent et plus long qu'un simple tout droit. Donc, indirectement, vous concédez moins d'occasions, comme on a pu le voir. J'ai eu le ballon, j'ai 90% de possession de balle. Pas forcément une grosse possession, mais à force de jouer un petit peu, ça a des actions un peu plus posées, et ça permet en tout cas de jouer un jeu de football, tout simplement, et non un jeu de tout droit. C'est pas un conseil de fou, mais si vous arrivez à vous entraîner à jouer en passe, etc., et ben là, ça sera un bon point. C'est comme ça qu'on progresse. Hein. Sur FIFA, plus le temps passe, plus je trouve que j'ai un meilleur niveau parce que je prends mon temps dans le jeu, et tout simplement. Bon, bah, cette draft s'est plutôt bien déroulée, assez facile, faut être franc. 8-2, 7-2, 4-2, 1-0, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal, je suis plutôt satisfait. C'est l'une de mes plus belles drafts, je crois, sur FIFA. Et on empoche. Ouh, un pack méga et un pack joueur premium or. C'est un pack à 100K, ça, non? Ah non. Donc, ils n'ont pas donné de bonus crédit, là. C'est ça? Oh, les bâtards! Le plus gros jamais créé. Oh, et ils ont enlevé les bonus crédit ou quoi? Comment ça se fait? D'habitude, on a 35 000 crédits, 45 000. Oh, Götze, Mario Götze! Ah, j'adore ce genre. Ce genre, il est extraordinaire. À chaque FIFA, je le kiffe. Même IRL aussi, c'est un genre de folie. Ok, bah ça fait plaisir, on regarde tout ça, on est quoi? Mario Götze. Oh, dis, on n'aurait pas eu de bonus crédit. Bon, ils ont un petit peu quand même, hein, Götze dans les 5K. J'utilise d'ailleurs un peu pour l'achat-revente. Donc, bientôt des vidéos d'achat-revente. Hein. Je suis en train de taffer à fond sur la liste BPL, etc. Allez, le pack méga, j'aimerais bien avoir du lourd quand même, hein, parce que bon, on a gagné une draft, hein. Oh non, il est pourri. Oh, je suis déçu. Bah ouais, c'est pas Neymar. Oh, je suis déçu, là, ils ont enlevé les bonus crédit ou quoi? D'habitude, t'as 35 000 crédits, 45 000. Là, la draft remboursée, ouais, bon. Alors, Delph, je sais qu'ils vendaient bien parce qu'il y avait le défi pour Sterling. Il a baissé un petit peu parce que je crois que c'est quasiment fini le défi de Sterling. Son, qui était une forme il n'y a pas longtemps, Felipe Anderson. Bon, on va tout garder comme d'habitude. Mais je suis un peu déçu quand même. Il n'y a pas eu grand-chose dans les packs. Mais bon, c'est pas grave, l'essentiel, c'est qu'on a, bon, qu'on a quand même remboursé, hein, ça c'est sûr, mais. Bon, ça fait plaisir. Voilà, les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus. Je vous remercie aussi pour la vidéo de lundi. Fut Champion, le bilan, il y a eu plus de 1000 likes. Donc, ce week-end, samedi, il y a un live de 12-13 heures, voire même plus. Full Fut Champion en live sur Twitch. Hein, bref, je vous ferai une petite vidéo dans la semaine. Pas de problème. Prenez soin de vous et on se retrouve très très vite. Allez, bye bye!